Coucou les amis créatifs, les amis de l'art, c'est Sophie Quenier. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais simplement envie de faire un petit speed coloring avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre professionnelle, je fais de l'abstrait, illustratrice, coloriste et créatrice DIY. Et sur ma chaîne, vous trouvez beaucoup de vidéos en rapport avec les beaux-arts, la peinture, le dessin, tout ça, et les loisirs créatifs, le colo, le scrap, le home déco. Voilà. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de faire ce mandala ici. Simplement, ça m'arrive souvent le soir de faire des mandalas. Et c'est un mandala mystère, c'est le numéro 16 donc du livre coloriage. Je vous ai fait une revue de livres, des livres coloria que je possède. Ma laryngite ne s'arrange pas, j'ai une sacrée voix. C'est pas grave, hein, le but c'est plutôt de voir mon colo et voilà ce que je fais. Du livre mandala mystère. Moi qui n'aime pas les mandalas mystères, mais voilà, ça me détend hyper bien. Donc on va faire ce modèle-là. Et puis, donc bien sûr, il va y avoir les parties en accéléré, parce que sinon ça va être une répétition hein, pour vous. J'ai envie de faire avec cela, vous savez, les brush pen qu'on a à Action, là, les gros. On va bien voir ce que ça donne. J'avoue que c'est pas ceux que je préfère, mais j'ai envie de les utiliser ce soir. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, donc moi je les ai mis dans une trousse que j'ai achetée à Action. Vous savez, c'est une trousse, une double trousse comme ça. Je crois que j'ai des doublons. On verra bien. Voilà, donc il y a 6 couleurs proposées. J'ai pas exactement les mêmes couleurs, mais je vais adapter. Voilà, bon visionnage. Hein? Gros bisous. Donc pour la fin de ce speed coloring où je vous montre voilà mon mandala de près. Le trouve plutôt pas mal. Ça m'a bien détendu de le faire. Donc comme vous voyez, on voit presque plus les chiffres, hein, puisque c'est un mandala mystère. Et donc je les ai fait avec ces 6 paintbrushes de chez Action. Donc le 1, la couleur 1, c'est le rouge. Bon, moi, j'ai un peu interprété, c'était pas forcément les mêmes nuances. Ça, c'est plutôt framboise, ça, plutôt orange. Mais moi, comme j'avais choisi d'utiliser les paintbrushs de chez Action, j'ai adapté les couleurs. Hein, et ça rend plutôt pas mal. De toute façon, selon les feutres ou d'autres choses quoi, avec lesquelles on pourra faire ces mandalas, on n'aura pas forcément la même chose. Hein. C'est plutôt pas mal, ça, bon, c'est pareil. Donc le rouge pour le 1.
Là, c'est plutôt le rose framboise, parce que dans cette gamme-là, il n'y a pas d'orange. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y en ait. Le 3, j'ai fait le jaune. Le 4, c'est ce bleu-là. Voilà, ici. Hop. Le 5, j'ai pris ce bleu roi, bleu outre-mer. Et puis un vert turquoise. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une pointe pinceau, mais pinceau un peu particulière parce qu'en fait, si je fais ça, c'est vraiment, vous voyez, des poils, vraiment comme un pinceau. C'est pas, la pointe, elle n'est pas rigide. Hein. Donc, ce n'est pas forcément évident sur des détails. Bon, là, ça allait encore, mais il y en a dans ce livre-là, Mandala Mystère de chez Coloria, où il y a encore plus de détails. Bon, moi, ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisés, les paintbrushs comme ça d'action. J'en ai eu d'autres récemment. Donc, je les ai mis dans la petite trousse que je vous ai présentée au départ. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément évident quand on commence à colorier parce que c'est une pointe pinceau, mais vraiment, voilà, comme un pinceau pour peindre. Hein. Donc, faut s'adapter à la certaine souplesse qu'il peut y avoir dans ces points de feutre. Et c'est pas forcément les mêmes points de feutre dont on peut avoir l'habitude pour les autres feutres pinceaux. Par exemple, je pense, comment dire, au Tombow Duo. Par exemple, il y a les Home Cubes, enfin moi que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Enfin voilà. Disons que ça nécessite de s'y habituer, sinon ils sont plutôt pas mal ces feutres. Moi, ça m'a bien détendu de le faire. Après, vous pouvez vous amuser à faire un fond ou autre chose. Hein. Et puis, ce qui est sympa, alors j'ai procédé de deux manières. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. D'abord, j'ai commencé. Ce mandala se divise par 6. Donc j'ai fait à chaque fois un sixième du mandala, donc avec chaque couleur, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, pour la moitié du mandala. Et pour l'autre moitié du mandala, bah, en fait, j'ai fait tout le reste du mandala, tout le 1 d'un coup, c'est-à-dire tout, j'ai posé tous les rouges, après tous les roses, tous les jaunes, tous les bleus outre-mer et tous les turquoises. J'ai trouvé que la deuxième étape était plus relaxante finalement, parce qu'on avait moins à se casser la tête à retrouver les numéros, tout ça. Après, les couleurs qui sont proposées sont plutôt pas mal, mais si vous avez envie de faire autrement, bah voilà, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Vous choisissez les feutres que vous voulez. Comme je vous ai dit, moi, je les ai mis dans cette petite trousse-là. Il y a d'autres couleurs. Voilà. Ce vert-là. Ce vert-là. Pomme. Là, j'ai un gris, un violet. Celui-ci, c'est un violet. Voilà, celui-ci, c'est ce que j'ai utilisé. Il y a un noir. Je pense que j'ai deux doublons. J'ai certains. J'ai complété ma collection, mais j'ai dû en racheter. Et ça, c'est un rose clair. J'ai dû en racheter. Voilà, c'est les mêmes. Mais bon, c'est rien. C'est pas grave. Donc, j'ai rangé ma petite trousse. J'en ai plusieurs comme ça, trousse. D'ailleurs, là, il y a un petit compartiment comme ça pour remettre des choses. J'ai plusieurs trousses pour mes crayons parce que parfois la boîte ça s'enlève. Quand vous les enlevez d'un blister, bah, vous les avez plus. Voilà. Bref, c'était le mandala mystère numéro de la page numéro 16 donc de ce livre, Speed Coloring. J'en ferai de temps en temps. Je fais aussi des speed painting. Painting. Voilà, je vous l'ai présenté hier dans une revue de livres coloriage où je vous présente tous les livres coloriage que j'ai à l'heure actuelle. Et je vous avais dit, et c'est vrai, moi, je n'avais jamais avant ce livre acheté un coloriage mystère, un livre de coloriage mystère, j'aime pas ça. Bien, vous voyez, celui-ci, je l'aime beaucoup parce que déjà, c'est des mandalas et j'adore les mandalas. Et puis je sais pas, c'est bien sûr ça, ces blocs-là, je les aime beaucoup. Et je mets toujours un conson noir derrière. Parce qu'hier j'en ai fait un. Et ça a percé, je vais vous montrer. Donc voilà. Ça m'a convaincue. Je pense pas que j'achèterai d'autres livres mystères. On va voir ce que Coloria fait. Mais ceux-là, je les aime bien. Alors hier, j'ai fait celui-ci. Avec les Spectrum Illustrator, j'ai vraiment adoré le faire. J'aime bien cette forme
comme ça, en étoile, au centre, les couleurs, j'aime beaucoup. Et j'ai mis la feuille, le canson noir. Hein. Moi, je fais ça pour tout, la peinture, l'aquarelle, tout, et ça passe. Et ça n'abîme jamais mon autre dessin. Vous voyez, vous avez le dos hein, carrément. Donc, même sur un papier comme ça, qui est hyper épais, bah, les feutres à alcool, ça passe. De toute façon, les feutres à alcool, c'est terrible. Mais bon, j'adore les Spectrum Illustrator. Je vous les ai présentés dans un haul nose, il n'y a pas longtemps, je les ai eus. Ils sont très chouettes comme crayon. C'est des marqueurs de très haute qualité, hein, rien à voir avec cette qualité-là de chez Action. Mais moi, ouais, j'ai du matériel vraiment très varié. Et voilà, d'ailleurs, je fais des revues hein, dans la série Coloriant Sophie James où on voit hein, que tout ça. Voilà, bah à bientôt. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai bien aimé partager ça avec vous. Tout simplement. Voilà, en toute simplicité. J'aime bien faire ça le soir. Ou d'autres coloriages quand j'ai envie de me prendre un peu plus la tête, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plus de l'art, du coloriage d'art. Là, je prends mes crayons de couleur, je fais des fonds, machin. Mais là, le soir, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai envie de me détendre, j'étais pas spécialement stressée, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, à bientôt pour un autre speed coloring ou autre chose, hein. Vous savez que ma chaîne est très variée, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous passerez d'ailleurs de bons moments. Et puis à liker si vous avez aimé. Ciao, ciao, gros bisous. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Allez, ciao!